qu'il faut que je danse ou enfin, comme pas ça. Elle, mais... Tu peux danser pendant que je lis. Oui. Oui, ça me va. Enfin, tu fais comme tu le sens. Mais je ne suis pas sûre que ça va te faire danser, ce passage. Non, celui-là, il ne va pas vous faire danser. Et merci pour Embraceable You, c'était très, très beau. Merci. On ne m'a jamais dit que ma mère était morte, déclare René. Mais tu le savais, non? Tu l'avais compris. Il n'en est pas certain. On ne parlait jamais de Sarah, on n'en a pas parlé pendant 40 ans. Je me souviens alors d'une anecdote datant de l'année 1945. De retour à l'école de la rue Martel qu'il avait quittée en novembre 1942, René se fait plusieurs copains, dont Claude Langmann, connu par la suite sous le nom de Claude Berri. Son père tapait des queues de bison dans le quartier, raconte René. Les deux garçons, âgés d'une dizaine d'années, se rendent pour la première fois chez Claude, qui présente ainsi son camarade à sa mère. C'est René, c'est un copain, ils ont mis sa mère dans un four. À quoi Betty Langman répond avec son bel accent roumain « On parle pas comme ça, Claude ». Au moment où René me livre cette histoire, je lui fais remarquer « Si ton copain Claude savait que ta mère était morte, tu devais forcément le savoir aussi. C'était toi qui le lui avais dit, donc quelqu'un devait bien te l'avoir dit. » Il me regarde longuement, atterré par mon incompréhension. « Pas du tout, » répond-il, « on ne m'avait rien dit. Je t'assure, personne ne m'a dit ta mère est morte. D'ailleurs, avec Claude, on allait plusieurs fois par semaine à la gare de l'Est pour attendre les déportés qui rentraient des camps. On la cherchait, ma mère. » Comme je l'ai souvent constaté dans les histoires de transmission, et plus spécifiquement autour du récit de l'extermination des Juifs, entendre n'est pas savoir. Dire ne suffit pas. Ne pas dire ne protège personne. C'est le secret le mieux et le plus mal gardé qui soit, une définition possible du tabou. L'immédiate après-guerre, pour cette raison, fourmille de paradoxes. Ainsi, René, qui regrette qu'on ne lui ait rien dit de la mort de sa mère, déclare que si, à son retour des camps, sa cousine Liliane, la sœur de Georges Kiejman, n'a pas relaté ce qu'elle avait vécu, c'est surtout parce que personne n'avait envie d'écouter. Voilà une histoire au statut bien étrange. Ceux qui la racontent ne sont pas écoutés, ceux qui l'entendent pensent qu'on ne leur a pas dite, ceux qui ne l'ont jamais entendue en ont assez qu'on la leur rabâche, ceux qui ne la connaissent pas ne la croient pas véridique, ceux qui en parlent nous assomment, à ceux qui n'en parlent pas on reproche de se taire. Une histoire racontée à des sourds par des muets. C'est magnifique ce passage. Il est magnifique. Je voulais revenir sur la phrase qu'elle cite. Donc vous aviez 11 ans, vous et Claude, futur Berri. Oui, oui. Et il dit à sa mère, je te présente mon copain René, ils ont mis sa mère dans un four. Oui, c'est ça, il a dit quelque chose dans ce style-là. Dans ce style-là. Bon, moi ce qui m'a frappé en le lisant, c'est des gamins qui parlent comme des gamins, ouais, d'une tragédie dont ils sont conscients, en fait. Ça faisait partie de votre vie. Oui, c'était énorme. Mais on devient adulte assez rapidement hein, dans ces moments-là. Mais en même temps, vous en parlez dans vos mots à vous, oui, dans des mots d'enfant. Parce qu'on ne veut pas s'attendrir, hein, surtout des garçons, les garçons de tous les pays du monde, il ne veut pas se conduire comme une fiotte, il ne veut pas avoir l'air sentimental, il ne veut pas pleurnicher, et donc il faut qu'il ait l'air un peu viril comme ça, il faut qu'il la ramène, et donc c'est une façon de la ramener. Quand Claude dit ça... C'est une, à mon avis, vu 70 ans après. Et la gare de l'Est, l'arrivée des trains, vous vous souvenez? Oui, oui, bien sûr. Voir surgir de la gare de l'Est, on était boulevard Strasbourg, on montait, c'est pas loin d'ici d'ailleurs. C'est mon ancien quartier. Et les déportés arrivaient, certains avec encore leur uniforme rayé. Je veux dire, ils sortaient de là, on voyait... Et moi j'attendais vraiment, bon, je ne vais pas faire pleurer Margot, mais j'attendais vraiment ma mère, je m'attendais peut-être à la voir, j'espérais la voir surgir au milieu de, je sais pas, parce que j'en avais quand même encore à l'époque un souvenir très précis, étant donné que c'était 45, et qu'elle a été arrêtée le 15 janvier 44, donc j'avais encore un souvenir physique, même très précis, si vous voulez. Et votre père savait que vous alliez gare de l'Est non, non, personne ne savait. On ne lui disait pas ça. Non, non. C'était votre vie à vous. C'était ma vie à moi. Et puis j'emmenais Claude. Je me rappelle une fois, je ne crois pas t'avoir raconté, une fois, comme il y avait, c'était la fin de la guerre, il y avait tous les pays alliés, et tout le monde était gentil, tout le monde était beau, et je me rappelle qu'il y a un soldat russe qui est, on l'a reconnu parce que les garçons reconnaissent les uniformes, ils savent le type des avions, ils savent reconnaître un Spitfire, un Messerschmitt, d'une forteresse volante, etc. Et on savait reconnaître les uniformes. On a vu un russe, un soldat russe, un sous-officier qui est sorti là, qui avait l'air éberlué de découvrir Paris. Et on lui a dit, on lui a fait fête parce que les Russes étaient nos alliés. Ils étaient même les alliés de Churchill, alors, pour dire. Et il nous a pris chacun par la main. On a descendu le boulevard de Strasbourg. On était tous les trois fiers comme c'est pas permis.